Ouais, je sais, je sais, je sais. Pour faire une bonne intro, il faut être dynamique, il faudrait que je vous capte tout de suite l'intention avec quelque chose d'amusant. Mais non, en fait, aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous poser une question. J'ai besoin que vous y répondiez dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez une application qui permet de modifier la tonalité du son? Parce que je trouve que ce petit micro très pratique est un petit peu trop dans les graves et je ne trouve rien pour pouvoir modifier ça. S'il vous plaît, générique. Peut-être que c'est moi qui ai une voix trop grave en fait, je viens de le baisser un petit peu, on verra bien ce que ça donne. Yo, c'est Authentique Manga. J'espère que vous allez bien. Bon appétit si vous êtes en train de déjeuner, puisqu'il est mardi midi, une nouvelle fois pour cet épisode du Manga Vorace. Les 7 mangas que j'ai lus, donc je vais faire le bilan avec les petites fiches qui s'afficheront. Si vous avez envie, je vous rappelle d'aller directement à un manga qui vous intéresse, libre à vous d'utiliser le chapitrage comme vous le voulez. En milieu de vidéo, tout de même, vous avez le jeu Mangamoji. Mangamoji C3, c'est l'utilisation de 3 emojis qui caricature en fait un manga. C'est à vous de me mettre en commentaire le manga en question. C'est pas très très dur aujourd'hui parce que c'est un jeu que je lance comme ça le mardi midi, mais on va monter crescendo en difficulté et je vous assure que vous ferez moins les malins. Est-ce que c'est tout ce que j'ai à vous dire? Est-ce qu'on démarre? Sûrement. Ah bah non! J'ai oublié de vous parler évidemment des petites nouveautés sur la chaîne. Vous l'avez vu arriver, la monétisation et donc l'apparition de pubs en début de vidéo. Bah voilà, c'est un petit peu le jeu, un programme de partenariat YouTube. Ceci dit, il n'y aura pas de pub au milieu des vidéos, en tout cas pas sur les vidéos du mardi, pas sur les bilans lecture, je trouve ça assez pénible. Peut-être que sur des vidéos un peu plus magazine, il y aura des coupures selon leur durée, peut-être de temps en temps, mais franchement, en tout cas sur les mangas Vorace, ce sera un non. On démarre tout de suite avec le bilan lecture et le premier manga qui nous intéresse chez Panini Manga par Koyoharu Kotuge, je crois que je le prononce bien, tome 18 et tome 19 de Demon Slayer. Donc je n'avais pas fait la lecture de plusieurs tomes du 16, 17, 18, 19. Donc là, ça y est, j'ai lu des tomes, je suis à jour jusqu'au 19e. Pourquoi? Bah parce que c'est un manga, je n'ai pas envie de patienter, je le trouve très très bon. Je ne vais pas forcément vous parler beaucoup, beaucoup de Demon Slayer, de son humour que je trouve extrêmement bien amené et extrêmement efficace, de son coup de crayon authentique, généreux par l'autrice, intime parce qu'elle a un coup de crayon particulier que je trouve également très très efficace. Il est évidemment un petit peu moins clair, un petit peu moins propre que dans certaines œuvres, mais ça a son charme, moi j'apprécie particulièrement, de son scénario rythmé, bien pesé, intelligent. Je pense que c'est une autrice, je ne connais pas la fin, j'ai pas lu les scans, mais qui a su s'arrêter à temps, donc c'est un grand bravo pour cette œuvre, ça, il n'y a pas de problème. Une édition Panini, voilà, normale, classique, avec évidemment les sous-covers qui nous régalent de petits trucs. Voilà, je vous le montre pas hein, toujours, mais je vous le dis, soyez curieux d'aller voir un petit peu ce qu'il y a sous les jaquettes, il y a de plus en plus de bonus. On a de moins en moins les notes de l'auteur. Je sais plus comment ça s'appelle ça, je crois que ça a un nom. Si vous vous en rappelez, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, là, ça me vient pas. Donc Kimetsu no Yaiba, c'est franchement, franchement, franchement un manga à avoir si vous aimez les shonen. Je ne vois pas comment on peut passer à côté de ce titre si on aime les mangas, et particulièrement le genre shonen, parce que pour moi c'est un des must-have de ces dernières années, obligatoirement. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus lourd, une série que j'ai terminée, qui est en 4 tomes chez Naban Edition, par Seiji Fuji et Yuji Kamata, scénario et dessin, 17 ans, une chronique du mal. Alors, l'avantage de cette série, c'est qu'elle est en 4 tomes. Le deuxième avantage, c'est qu'au niveau de son édition, même si elle reste évidemment très classique, et c'est ce que j'adore, c'est ce que je préfère, vous le savez, c'est un manga qui apparaît comme ça dans le facing horizontal. Vous savez, quand on arrive en librairie, les mangas sont disposés en pile comme ça par nouveauté. Et celui-ci, on le distingue très très vite entre son blanc marron avec souvent du rouge sur les différentes covers. Il y a un contraste assez évident qui fait que cette œuvre est reconnaissable et c'est très très pratique parce que un titre comme ça d'un éditeur un peu plus petit en 4 tomes, vous avez de grandes chances de passer à côté, il faut bien l'admettre. Là, du coup, on le voit bien. Ça nous intrigue, moi je sais que j'étais allé regarder le tome 1 avec curiosité, je l'avais pris, je l'avais lu, j'avais aimé les dessins, j'avais adoré le scénario, enfin il est très violent, on va en discuter évidemment, mais je m'étais laissé prendre au jeu et j'avais aucun regret, je confirme, ce tome 4 conclut une histoire qui est violente, qui est cinglante, qui est glaciale, parce que c'est une histoire vraie. Les personnages principaux du côté du bien, on va dire, ne s'en sortiront pas indemnes. La conclusion de cette histoire, c'est que quand vous êtes coupable, je trouve qu'on est coupable d'un instant T à un moment donné,
Et c'est tout. Et quand vous êtes victime de cet instant T, mais toute votre vie, je trouve qu'il y a une certaine inégalité là dans la balance, un contrepoids qui se fait pas. Il y a quelque chose d'injuste, il y a quelque chose d'extrêmement violent dans ce titre qui d'ailleurs nous pervertit un petit peu parce qu'on a envie d'aller au final, on en redemande à la fin de chaque tome, si vous voyez ce que je veux dire. C'est violent verbalement, c'est violent physiquement, c'est violent socialement, et c'est extrêmement dérangeant. Je vais arrêter d'en parler, mais ceci dit, c'est une lecture que je recommande à ne pas mettre entre toutes les mains, je vous la rappelle. C'est étonnant. C'est étonnant, ça génère des choses, à la fois du mépris, à la fois du dégoût, et on a envie de connaître l'histoire parce qu'on est aussi en train de lire finalement quelque chose. C'est pas une lecture passive, voilà. On va enchaîner avec quelque chose de plus léger. The Fable, tome 3 chez Pika Edition. Ou The Fable, je sais pas. Katsuhisa Minami, là, nous régale avec notre Yakuza qui essaye de se ranger. En tout cas, voilà, on lui a demandé de se ranger, donc lui, de toute façon, il applique les ordres à la lettre. On lui a dit de ne pas se battre, donc il ne se battra pas. Il est même capable de passer pour le gros bouffon faiblard pleurnichard de service, ce qui est très très amusant, puisque ça nous amène à des situations extrêmement cocasses, avec des traits relativement simples au niveau des personnages, mais qui marchent bien parce que ça permet de caricaturer les expressions et de renforcer l'humour. C'est pas un manga de Yakuza avec de la baston, c'est un manga d'humour, donc on a besoin de cette expressivité un peu légère au niveau des yeux, du jeu des visages, et ça marche plutôt pas mal, il faut le dire. C'est une œuvre qui progresse dans sa qualité scénaristique, humoristique également, ça y a pas de problème. Voilà, quand je vous parlais du dessin, on peut avoir quelques faiblesses au niveau des traits, mais ça marche bien. Voilà, ça marche bien parce que le jeu de regard, les attitudes fonctionnent, et c'est ce qu'on demande en fait dans ce genre de titre. The Fable, tome 3, affaire à suivre. On enchaîne. I Am Hero, tome 12 et 13. J'ai fait la lecture de ces deux tomes, alors je vais vous dire pourquoi. Là, c'est pas une série que j'attends de lire plusieurs tomes par plusieurs tomes. Non, non, ça, en fait, c'est une lecture feignante que j'ai fait. Je n'avais plus envie de le lire. J'étais un petit peu fâché et j'ai repris la lecture du tome 12 et du tome 13, sauf qu'il y a quelque chose qu'il faut admettre avec My Home Hero, donc c'est chez Kurokawa. Là aussi, format classique, hein, j'ai pas parlé de la cover et tout, mais c'est format classique, on n'a absolument rien derrière, c'est pas terrible. Mais il y a quelque chose qui marche bien, c'est que le scénario est bien construit, quoi qu'il arrive. Notre famille se retrouve enfermée dans une espèce de secte, là pour le coup, c'est pas facile, mais étrangement, ils ont une force de caractère, chacune a envie de s'en sortir, il y a des stratégies qui se mettent en place, de l'infiltration, de la réflexion, des fois un petit peu d'action, parce qu'on est à un moment clé de l'histoire, je pense, avec une confrontation économico-politico, qui a la plus grande, entre les Yakuza et une secte, un village, ça fait un petit peu penser à Gannibal d'ailleurs, avec ce village reculé, qui ne vit que pour lui-même et par lui-même. Le dessin est relativement agréable. On n'a pas toujours beaucoup de décors, parce que c'est un manga assez psychologique qui passe par les attitudes, qui passe par le texte. Il y a pas mal de textes, c'est bien construit, donc on passe un bon moment de lecture, ça je peux pas le nier. J'aurais aimé, ou j'aimerais en tout cas, ça se termine, j'arrête pas de le dire. Je sais pas, je sens la rallonge inutile, mais ça marche, pour l'instant ça marche. Hop, petite pause, c'est le moment du jeu Mangamoji. Trois emojis vont apparaître à l'écran, ils symbolisent, caricature un manga, c'est pas très très dur, franchement, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez trouvé, si vous n'avez pas trouvé, que vous avez envie d'un indice, là aussi, laissez-le comme, je vous répondrai avec plaisir, c'est parti, 3, 2, 1, go! Ouais, c'est facile. Allez, suivant. Allez, on enchaîne avec un tome de Kana, de chez Kana, Atom The Beginning, tome 11. Là, en revanche, c'est un vrai régal de lire ces mangas. Étrangement, je mets toujours du temps sur la palle à l'atteindre. Il fait pas partie des priorités. Et à chaque fois, je me demande pourquoi je l'ai pas lu avant. Je ne comprends pas. Ça me fait l'effet à chaque fois. C'est un très bon manga. C'est la revisite d'Atom, de Tezuka. C'est une revisite qui est d'une intelligence incroyable dans la mise en scène. Les traits sont modernes, l'intrigue est moderne, mais elle respecte systématiquement l'univers de Tezuka par son trait. Voilà, voilà du Tezuka moderne, je trouve. Par son scénario qui réexplique de façon plus moderne, de façon plus complète, de façon moins directe, comme ça peut être le cas dans certains mangas de certaines œuvres de Tezuka. Vous savez, ça va droit à l'essentiel. Par moments, il manque un petit peu quelques rouages. Enfin, en tout cas, on pourrait plus se permettre de sortir des œuvres comme il fait maintenant, même si ça reste incroyable à lire. Mais
ça ne passerait plus aujourd'hui si on avait ce genre de titre, j'en suis convaincu. Là, eh ben, on prend le temps, on prend le temps de comprendre, on prend le temps d'expliquer. Des dessins sont absolument géniaux. Je trouve que ça matche très très bien cette espèce de cohésion entre l'ancien et le nouveau. Franchement, c'est un grand bravo pour Atom The Beginning. Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez Tezuka, si vous avez envie de passer un bon moment de lecture et que vous cherchez une œuvre, je pense que dans ce genre-là, les origines du mythe d'Astro Boy revisité comme ça avec Atom, ouais. Et on va enchaîner avec un autre titre de science-fiction et une autre revisite de Tezuka. Comme quoi, hein, n'est pas le dieu du manga pour rien. Search and Destroy par Atsushi Kaneko, franchement volume 2 et volume 3 chez Delcourt Tonkam. Alors là, on a de la cover vraiment sympathique. C'est du bon travail. Il n'y a pas forcément d'effet, mais c'est des belles covers. Vous voyez, hop, je pense qu'elle est apparue à l'écran tout à l'heure. On a un dessin Atsushi Kaneko qui, là aussi, lui, alors s'émancipe complètement du style de Tezuka. On a un jeu avec la mise en scène, avec les contrastes noir et blanc très marqués, mais l'histoire est extrêmement bien revisitée. Elle est incroyablement amenée. On a un tome 3 délicieux. C'est une œuvre d'Ororo, puisque ça, je ne l'ai pas dit, mais ça revisite évidemment l'œuvre d'Ororo. Vous le savez, il n'y a pas de fin à Doro. Ici, nous avons une fin qui a été repensée, réimaginée, supposée sûrement, et ça fonctionne très très bien, c'est du très très lourd, c'est en 3 tomes. Là aussi, si vous aimez la science-fiction, là aussi, si vous aimez Tezuka et que vous avez envie de lire une de ses œuvres revisitées avec un auteur incroyable, foncez. Vous ne pouvez pas passer à côté si vous aimez tout ce que je viens de vous dire. Et il est temps de passer au coup de cœur. J'ai mis la main sur L'argent du déshonneur. C'est un gros pavé qui se lit avec une certaine lenteur, avec un certain rythme, mais avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Une édition rigide, format édition prestige, mais nous sommes chez Akata, c'est par Hiroshi Hirata. C'est assez incroyable à lire, c'était un véritable régal, un régal dans le dessin. C'est une œuvre qui est pourtant relativement ancienne, hein, qui date des années 70 il me semble, mais ça marche très très bien. Si on a ce côté parfois figé, évidemment parfois un peu vintage, franchement, il n'y a aucune fausse note, ça fonctionne, les dessins sont travaillés, les expressions sont lourdes, les histoires ont un sens moral de l'action, une certaine fatalité dans cette vie de samouraï, dans cette voie du Bushido. Franchement, vous avez de tout, tous les vices, tous les plaisirs, tout t'es posé simplement, efficacement, avec intelligence. L'histoire va nous parler en fait du moment où un samouraï qui, sur le champ de bataille, a réussi à échanger le prix de sa tête contre de l'argent et il doit ensuite rembourser. Des années plus tard, un homme, une espèce de mercenaire, est chargé en fait de revenir récupérer cette rançon. Mais on a un personnage qui doit d'abord mener son enquête, qui doit évaluer les faits, qui doit vérifier, parce que cette rançon est manifestée, la preuve en tout cas de ce pacte passé entre les deux personnes, est manifestée en fait par une main, la main de celui qui a échangé le prix de sa tête contre de l'argent, l'empreinte de sa main dans son sang. Vous le voyez d'ailleurs sur la cover, on distingue en fait la main derrière. C'est la preuve, donc il faut vérifier que la main correspond, il faut vérifier évidemment que les histoires, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arnaques, vous pensez bien, et ensuite, le jugement est rendu. Donc c'est un ensemble comme ça d'histoires, on va suivre notre personnage principal qui va aller enquêter et qui va rendre son verdict systématiquement. C'est une œuvre qui est crue, c'est une œuvre qui est vraiment grandiose à lire, moi j'ai adoré. J'ai enchaîné là prochainement, et on en parlera la semaine prochaine, avec Lone Wolf and Cub, dont l'univers et l'ambiance et le trait se rapprochent. C'est plutôt cousin, je trouve, comme œuvre. C'est vraiment très très bon, c'est un pur régal de samouraï, des traits à l'ancienne, une ambiance à l'ancienne, un bon travail, un très bon travail éditorial. J'ai passé un excellent moment de lecture. Bon, ben voilà, ça va être le moment de nous quitter. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous, n'oubliez pas, vendredi prochain pour le top 3 manga abonné, vidéo que vous avez créée, je vous remercie, et on fera bientôt vidéo Mangatech des abonnés, je pense que je ferai l'annonce justement vendredi prochain. Je vous souhaite une excellente semaine, lisez plein, plein, plein de mangas, et moi je vous dis